Je passe tout. J'ai pas eu le pass to bot, mais j'ai pas eu le pass to top. Bon, allez, je vais le pass to top. Ah, Nantes, il faisait bon, ok. Nantes, il faisait bon. 53 en Guadeloupe. Non, là, vous essayez de me pêcher. Là, vous essayez de me pêcher, là. 53. Non, mais 53, gros, tu meurs. C'est pas possible. Cinquante-trois, wesh, vous êtes des fous furieux, frère. 53, le soleil, il brûle ta peau, non? Vous essayez de me pêcher. Mais pourquoi vous faites ça? Quarante et un à Paris pour de vrai en pique. Ouais, ça, je sais, j'ai de la famille qui est sur Paris. De toute façon, il faisait 40 ici, donc vu qu'on n'est pas loin de Paris, ça m'aurait pas étonné. Je gobe tout aussi, mais je gobe rien du tout. En vrai, c'est normal qu'il y ait des températures qui soient élevées. Mais genre, gros, 50, ça va. Vous me prenez trop pour un con, c'est le problème. Moi, je suis là, je suis gentil avec vous, j'essaie de vous offrir un contenu. Vous êtes là, vous essayez de vous foutre de ma gueule à 24. Ça me dégoûte. Oh, j'ai pas eu mon reset de E. Oh, c'est tragique. Oh bordel de merde, c'était close. Hein. Il a failli se faire un vin par la chivala de Polish LeBron. Ça a failli être vilain hein, tout ça. Je vais pas aller faire le scuttle. Il va se diriger dessus. Il gagne le 1v1 avec son Wukong. Moi je vais tranquillement aller prendre mon niveau 4, faire un reset, aller dans le bot side, jouer le scuttle. Idéalement. Et puis on sera bien. Ça c'est dommage. Ok. Wesh, j'ai un Upsoon. Ça touche. Oh, ça tue pas! Oh, ce fight de fou! Qu'est-ce que c'était que ça? Et la Seraphine a été là, hein. Comme ça, petit claquement de doigts pour envoyer des petites notes. Ouais, ah, c'est ping, me bait un peu. Je pourrais jouer slow, je sais que je gagne pas comme ça. Je pourrais jouer slow, mais il me full ping. Du coup, je suis en mode je vais y retourner alors que je devrais pas. Je renvoie la plante de vision. Je récupère mon 6 sur ça, c'est très bien. Oh. Je suis obligé d'utiliser mon ult, c'est un peu relou, hein. On a mal visé. J'aimerais bien avoir du backup parce que le Drake va me tabasser, je peux le faire facilement mais je vais perdre beaucoup d'HP si le Wukong est là, j'ai besoin de quelqu'un pour venir désamorcer la situation. Ok, ça c'est un free Drake, j'ai mon item dans 200, donc je fais score là, je reset et je pourrais aller jouer. Dommage. Après j'ai mon item hein. J'ai mon item, on a la prio top. On a la botlane qui décale.
Oh ouais, ça c'était vilain. Hein. C'était vilain ça comme flash Wukong. Parfait, hein, ça nous permet de récupérer flash pour flash et on fait un kill. Oh ça grid. On avait gagné. Oh j'ai trop les nerfs hein. Ok, il y a Big. Je pense qu'on avait même pas besoin de l'Hérald en vrai. Ok, ça passe ou pas? Oh là. Je vais focus la tour, on s'en fout des kills en vrai. Pas besoin de grid. Ok. Wukong est potentiellement dans le top side vu que le Bard y était aussi. À moins que le Bard joue tout seul. Là par contre on peut clairement le punir. Hein. C'est con là. Ah. Shyvana est là. On est 4 après, mais Shyvana est strong. Hein. Elle a l'air très très puissante. On a forcé la TP, c'est très bien. Hein. On a une free tower top. Après, j'ai envie de go in. Hein. J'ai Yasuo là, j'ai envie de mettre un R sur 3 personnes. Je deviens zinzin là. Et si on arrive à partir, c'est très bien. Ah, va falloir que je flash. Ah, je pouvais pas flash. Oh, j'ai raté. Mais j'avais plus de E. Oh, j'avais plus de E. Oh, j'ai tellement mal joué. Je voulais ER en fait. Je voulais ER, je voulais go in. Ah, la tour ratée, elle me tuera pas. Oh la Harry, oh le putain de droïde, qu'est-ce que c'est que cette merde? Elle a tout loupé. Elle a tout loupé. Oh, il a flashé. Je crois que le triomphe. Ok, Big. On meurt jamais, mais Séraphine, gros. Séraphine, Serachan. Est-ce qu'il y a des games qui sont potentiellement losables avec Xperso? Non, c'est impossible, genre. Comment vous voulez perdre avec Xperso? C'est que Séraphine Janna, hein. Perma healing, perma shielding, perma slowing people, perma kiting back, oh là là. Mon dieu, hein. je suis le jungle en face, hein. Envie de mourir. Hein. Ouais, ça c'était peut-être un peu osé ça. Ah, il a pas R. Moi, peut-être. Ouais, je pense qu'on peut fight, hein. Si, R, hein. Mais bon. Pas grave. Je pense qu'on peut fight, en vrai. Il a les outils pour survivre, il a un wall. Après, c'est greedy de fou, mais bon. Salut. Salut, c'est nous.
Oh. Bah alors. Ok, je vais aller clear toute ma jungle. Je vais aller clear toute ma jungle. On est clairement devant le jungle en face en termes de CS. En termes de niveau aussi. On est vraiment bien. Wukong, je trouve ça tellement fort. C'est quoi la strat pour le rendre useless? Ne pas pick un AD, idéalement. À moins que t'aies un AD jungle qui gagne, mais je crois qu'il y en a très peu. Et pick un truc qui farm, mais qui a un potentiel de gank en early. Donc Diana quoi. Diana c'est fort dans Wukong. Karthus c'est extrêmement fort aussi dans Wukong. Je pense que c'est l'un des meilleurs counters à Wukong, Karthus. T'es là, tu perds ma farm, tu farm genre 4 fois plus vite que lui, tu peux aller l'invade assez rapidement parce qu'en early du coup, si tu touches tous tes sorts, normalement t'es jamais censé perdre le 1v1. J'avais des potentiels de flash in avec un R, mais ça va à rien. On n'avait pas de follow-up, le Yasuo avait utilisé son ult. Tu en penses quoi du futur rework de Udyr? Il en a besoin. Ah, clairement, il a besoin d'un rework. T'as jamais vu la vidéo où on voit genre les sorts des nouveaux champions? Et on voit ceux de Udyr et on est en mode. Ah ouais, stylé. Parce qu'il fait que des auto-attaques. C'est que le perso en vrai son kit est tellement faible, genre c'est une dinguerie hein. Tu te rends pas compte hein peut-être mais. Genre vraiment t'es là, tu auto-attaques, tu changes de forme, t'auto-attaques. S'il y a un mec qui a des dash ou quoi, tu peux jamais le reach, c'est insupportable pour ton personnage. Les mecs peuvent te kite, la mobilité, il y en a beaucoup trop dans la méta actuelle. Ouais, je te jure, il en a clairement besoin. Après à voir hein, je sais pas trop ce qu'ils ont décidé d'en faire. Si jamais ils font un bon rework, c'est bien, mais si jamais ils font un rework qui lui donne pas de mobilité, on risque d'avoir un peu de problème quoi. Parce que si le principe du champion reste le même où il fait que des auto-attaques et il court après tout le monde, à moins qu'il court très très vite, il risque d'avoir du mal à s'affirmer. Même son stun, genre c'est pointless en fait. T'es là, tu mets un stun point and click, faut que t'arrives à l'auto du mec. Toi généralement t'arrives à l'auto du mec parce que t'as un boost de move speed, mais lorsque t'arrives à ce moment-là, bah tes alliés ils ont pas la possibilité d'être aussi deep. Bon bah. GG. Problème c'est que la mobilité est devenue tellement courante que ne pas en avoir te rend inutile. Ouais clairement, hein. Et je te jure que ces passes sont. Genre moi j'ai beau max E avec Udyr, je suis toujours aussi lent. C'est une dinguerie. Hein. Peut-être de la range sur une forme. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent en faire en vrai. Pour moi, ils peuvent lui donner de la range potentiellement avec son Phoenix. Genre le Phoenix en vrai, c'est des dégâts AP. Ils peuvent lui donner tu sais, un sort qui s'applique sur un long trajet, tu vois. Qui l'empêcherait de se commit en boucle. Potentiellement le E, le faire courir, mais très très vite. Genre très vite. Très 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 vite. Franchement, je sais pas, hein. Il y a plein de trucs qu'il faudrait qu'il fasse, mais ça m'a l'air compliqué.